كانت عندي خالتي تسكن تما. كنت عند راندا كي كنت صغير. ليا مات الزينه هذيك. قبل ما يديروا لكم لي باراج في كل دوره. واش قالوا لي انا عندي بزاف ما رحتش. واش سمعت هذيك هي. مي ولفنا دركا خلاص. ولفت ولي مش بعيشه. واش حبيت يا خويا. خالتك هذه وسمع بالك تعرفها سيكتر صغير هذاك. شوف حبيبي راك فاهمك واحد الحاجه. انا كل يوم ننزل الموتى في هذا الطريق. كلاب هذو اللي يجروا في الطريق، الناس تبكي، ناس مقطعه. الف سنه تيروريزم ما تشوفش واش شفت انا، فهمت؟ ولا تحب تعيش في باب الواد ولا تعيش في بيغالي الا حبيت. ما باليش بيك، تبرعي تاعك حكموا عندك. Dans le film d'Amine, il y a aussi quelque chose de toute personne qui est plus ou moins liée à l'Algérie et porteur, j'ai envie de dire, de ce qui est dans le film, puisque le film est une sorte d'allégorie sur les années 90 et la violence ressentie par le terrorisme qu'a vécu l'Algérie pendant les années 90. Donc on est tous porteurs, qu'on ait été là-bas ou pas là-bas, on est tous porteurs de sa propre expérience, de sa propre interprétation des choses, sa propre émotion. On a fait trois jours avec Slimane et Amine, on a fait trois jours de... pas vraiment de répétition. Pendant trois jours, on a lu le scénario, en s'arrêtant sur chaque scène, en discutant des personnages, des situations, de ce que raconte la séquence, enfin la séquence dans l'ensemble du film. Donc histoire qu'on soit synchrone, grosso modo, sur le film que Camille voulait faire. Un moment où voilà, on a parlé des personnages, chacun a donné un peu ses idées, on posait des questions. Amine a aussi trouvé des choses à ce moment-là, des choses qui ne nous convenaient pas, enfin des choses qui nous faisaient bizarre. Donc voilà, ça a été vraiment un moment assez fructueux au niveau du travail parce qu'on a tout mis en friche d'une certaine façon. Ça, on a fait ça trois jours, c'était un mois avant qu'on commence le tournage. Après, moi de mon côté, j'ai fait comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que je lis beaucoup le scénario, je lis beaucoup de choses qui m'évoquent. Notamment un bouquin qui venait de sortir à cette époque-là, qui était le livre d'Adeline Mehdi, qui joue aussi dans le film par coïncidence en fait. Concernant le personnage de Lotfi, je crois qu'au départ, moi j'ai voulu proposer un peu comme ça, instinctivement, quelque chose qui allait dans un rapport peut-être au départ un peu, pas agressif, mais... le personnage de l'autre fille, je pensais qu'il voulait un peu plus réveiller S et que Amine a vachement calmé ça. Et le rythme aussi de jeu. Pas enchaîné forcément tout le temps. Les temps, il tenait beaucoup à ce qu'il y ait des temps de silence. Voilà, c'est dans le rythme aussi. C'est beaucoup là-dessus qu'il est intervenu. Il a aussi beaucoup recadré parce qu'il y a des fois des séquences que moi j'ai abordées de manière presque un peu trop légère peut-être. Et lui ramenait toujours... sur quelque chose où moi j'avais... On a eu des discussions comme ça, je me disais mais si on est tout le temps lourd, il y a un moment où on va peut-être manquer de relief, on va peut-être manquer de passage. Et lui tenait à son idée, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut, qui sait très bien ce qu'il veut, en tout cas qui sait ce qu'il veut pas. Et donc voilà, donc assez rapidement, il y avait des choses sur lesquelles moi je pouvais avoir pas des doutes, mais bon. Et puis finalement, en faisant les choses, en allant dans son sens, je m'apercevais qu'il avait... Je ressentais que c'était juste, donc il avait parfaitement raison. Donc ça, je vous parle de ça, c'était la première, deuxième semaine. Donc ensuite, vous faites confiance à votre réalisateur complètement et puis vous y allez les yeux fermés, quoi. De notre point de vue d'acteur, pour nous, ça n'a pas été un tournage compliqué. Ça a été un tournage éprouvant par ce que raconte le film. Un tournage éprouvant aussi par le fait qu'on est dans le désert et que c'est quand même un des espaces naturels qui est... c'est un immense espace naturel où par moments on peut se sentir un petit peu tout petit. Mais on n'a pas eu de réel problème à notre endroit. Voilà. C'était un tournage qui s'est finalement très bien passé. Ça a été quelque chose d'extrêmement fort émotionnellement avec le reste de l'équipe. Comme on était tous partis pour un mois et demi dans le désert, forcément il y a plein de moments où on se rapproche dans le travail et en dehors, forcément. Donc ça, pour moi, ça, je ne sais pas ce qu'en pense Slimane, mais pour moi, c'était un tournage, c'était un rêve en fait, ce tournage. Même si effectivement on a une histoire qui est pas, c'est pas une comédie, c'est pas drôle hein, du tout, hein, c'est assez noir. Mais justement, comme on passait des journées dans une situation des fois un peu dark comme ça, on a beaucoup rigolé en dehors. J'ai la chance d'être à l'intersection de ces deux côtés de la Méditerranée, qui sont pas très éloignés en kilomètres,
mais qui peuvent l'être dans l'époque dans laquelle on vit, en termes culturels, économiques, enfin plein de choses. Donc forcément une appréhension des choses d'un côté comme de l'autre qui peut être différente. Puis j'ai les deux. Et ma foi, je me dis que peut-être des gens comme moi peuvent aussi apporter des éléments de réflexion aux uns et aux autres. Puisqu'on a les codes des deux côtés, qu'on aime les deux côtés, qu'on tient aux deux côtés, des éléments de réflexion pour... alors pas forcément devenir, copain comme cochon, mais au moins comprendre le point de vue de l'autre, en fait.